Donc, je travaille à l'ACOSS depuis le 1er avril 2019. L'ACOSS, c'est l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Donc, elle anime le réseau des URSSAF. Ça représente à peu près 13 000 salariés, dont 850 à la DSI. Et la DSI couvre tous les métiers du numérique, de la stratégie à l'exploitation en production, en passant bien sûr par le développement et l'intégration d'applications. Et nous avons aussi une fabrique digitale pour répondre aux enjeux de la transformation numérique et des besoins en termes d'innovation. Je suis, moi, plus particulièrement architecte d'entreprise. Et donc le rôle de l'architecte d'entreprise, c'est d'aligner le système d'information avec la stratégie des métiers. J'ai une double compétence informatique et managériale. Je suis diplômée de l'IUT informatique de Montpellier et de l'IAE de Montpellier. J'ai un parcours mixte public-privé. Je suis passée donc par la Chambre de commerce et d'industrie d'Avignon en tant que responsable d'application pendant 4 ans. Ensuite, j'ai fait 6 ans chez Colas à Paris en tant que chef de projet assistance à maîtrise d'ouvrage. Et j'ai aussi passé 6 ans au ministère de l'Agriculture en tant qu'architecte data et dernièrement directrice de projet innovation où j'ai eu l'occasion de mettre en place un incubateur de services numériques. Donc ce qui me porte tous les jours dans mon travail au sein de la fonction publique, c'est le sens des projets qui me sont confiés. Chaque application réalisée peut répondre à des enjeux de société, par exemple au ministère de l'Agriculture. Je travaillais sur la réduction de produits phyto, la sécurité alimentaire ou alors l'enseignement. Mais il y a aussi des enjeux techniques aujourd'hui qui sont portés par la transformation numérique de l'État. On peut parler d'Action publique 2022 avec 100% des procédures administratives qui doivent être dématérialisées ou encore la stratégie cloud de l'État avec une stratégie qui est cloud first depuis la fin de l'année dernière. Et puis il y a tous les sujets d'actualité qui tournent autour de l'intelligence artificielle, la blockchain, les chatbots, etc. Les sujets intéressants n'en manquent pas. Dans mon parcours professionnel, j'ai toujours privilégié l'innovation, le sens, l'environnement du travail. Et donc être passé du public au privé n'a jamais été un frein à ma carrière.